Bonsoir, bienvenue sur votre chaîne Réveil TV. Vous êtes en direct sur votre émission Retour à la parole. Et nous bénissons le Seigneur encore pour ces moments, pour ces temps de partage, pour ces temps d'édification. Alors, avant de commencer, comme nous avons pour l'habitude de remettre toujours tout entre les mains du Seigneur, parce que c'est lui seul, n'est-ce pas, qui est capable de nous diriger, c'est lui qui nous communique, n'est-ce pas, sa pensée, c'est lui qui enlève les écailles de nos yeux afin de nous amener, n'est-ce pas, à cerner les temps dans lesquels nous sommes. Alors nous allons prier ensemble, frères et sœurs. Seigneur, Yahushua, nous te bénissons pour l'œuvre de la croix. Nous te rendons des actions de grâce. Papa, nous prions car toi-même, tu nous as recommandé de prier sans cesse. Seigneur, nous voulons ce soir nous remettre entre tes mains, Seigneur, afin que tu nous enseignes ta parole, que tu éclaires nos yeux, que tu nous communique ta pensée afin que nous ne puissions pas succomber au piège de l'ennemi. Au nom de Yahushua, merci encore pour ces temps de partage. Merci pour ces temps d'édification. Amen. Que ton nom soit béni. Alléluia. Alors, bien-aimés, vous savez, c'est toujours une grâce. Nous bénissons le Seigneur, n'est-ce pas, pour la grâce qu'il nous accorde. Le fait d'avoir le souffle de vie, d'écouter encore ce soir, n'est-ce pas, cet enseignement, c'est une grâce. Vous savez, si le Seigneur permet que nous soyons toujours en vie, mais c'est parce que tout est encore possible. D'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas encore reçu, tout est possible. C'est le moment, n'est-ce pas, de prendre la bonne décision, n'est-ce pas, de nous tourner vers le Seigneur et de marcher avec lui. Alors, parce que la Bible nous enseigne qu'après la mort, n'est-ce pas, vient le jugement. Donc, après notre mort, c'est plus possible, n'est-ce pas, de pouvoir nous racheter, de pouvoir obtenir le pardon de nos péchés. Alors, ce soir, nous allons continuer, n'est-ce pas, sur le thème, n'est-ce pas, qu'on a démarré lundi sur les péchés de l'âme. Vous savez, les péchés de l'âme, n'est-ce pas, ce sont les péchés qui nous paralysent, qui nous empêchent de pouvoir expérimenter le Seigneur dans une dimension assez élevée. C'est des péchés qui nous limitent parce que c'est des péchés, n'est-ce pas, qui combattent, n'est-ce pas, notre âme, comme nous avons lu, n'est-ce pas, lundi. Ou un peu, c'est des péchés, n'est-ce pas, qui exercent une lutte en nous et ça nous décourage, ça nous paralyse, ça nous empêche, n'est-ce pas, de pouvoir marcher par la foi, expérimenter, poser les actes de foi. Ouais, donc, et le Seigneur, n'est-ce pas, nous éclaire au travers de ces enseignements pour davantage, n'est-ce pas, nous libérer, pour mieux le servir. Vous savez, il y en a qui ont perdu assez de temps, quoi qu'ils avaient reçu, n'est-ce pas, des belles promesses du Seigneur. Mais à cause des péchés de l'âme, par rapport à ce qu'ils ont enduré, ou bien ce qu'ils ont entendu, n'est-ce pas, les gens dire d'eux, n'est-ce pas, et à un moment donné, ils se sont découragés et ils ont perdu les forces. Et voilà, la vie tourne autour, leur vie tourne en rond. Et c'est des personnes, n'est-ce pas, qui se posent constamment des questions. Et je crois qu'au travers, n'est-ce pas, de cet enseignement, le Seigneur va nous parler, va nous enseigner. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer, n'est-ce pas, dans l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10, à partir du verset 38, Matthieu chapitre 10, à partir du verset 38, vraiment bien aimé, je nous exhorte, n'est-ce pas, à suivre attentivement, n'est-ce pas, cet enseignement. Alors, la Bible dit, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Ici, n'est-ce pas, Yahushua, notre Seigneur Jésus nous dit, n'est-ce pas, celui qui vous reçoit, donc littéralement ceux que le Seigneur envoie, n'est-ce pas, il dit, celui qui vous reçoit, n'est-ce pas, me reçoit. Donc un envoyé du Seigneur, lorsque nous le recevons, n'est-ce pas, en fait, nous ne savons pas que Jésus, c'est Yahushua lui-même, n'est-ce pas, que nous recevons. Et ici, n'est-ce pas, dans ce passage, il nous le dit clairement. Pourquoi le Seigneur prend la peine de nous rassurer? Parce qu'il sait qu'en nous, n'est-ce pas, il peut arriver dans notre marche, n'est-ce pas, que nous soyons, n'est-ce pas, touchés par le doute. Un peu. Et ce soir, on va partager sur le mépris de soi. Vous voyez, le fait d'être méprisé toi-même, n'est-ce pas, peut t'amener à ignorer la position que tu as reçue lorsque tu as accepté Yahushua comme Seigneur et Sauveur. Vous voyez un peu. Frères et sœurs, frères de la régie, s'il vous plaît, vous pouvez remettre ce passage, s'il vous plaît, Matthieu chapitre 10, à partir du verset 40. Matthieu 10, à partir du verset 40. Vous voyez, en fait, Yahushua dit, celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé, donc littéralement son Père. En fait, ici, n'est-ce pas, Jésus nous dit quelque chose qui est très fort et fondamental. Il dit, recevoir un envoyé, n'est-ce pas, du Seigneur, c'est recevoir aussi le Seigneur lui-même.
ou encore son père. Ouais, un peu. Alors, et pour beaucoup, n'est-ce pas, de ceux qui sont envoyés du Seigneur, beaucoup ne réalisent pas que lorsqu'ils obéissent, n'est-ce pas, à ce que le Seigneur leur demande de faire, voyez un peu, c'est des personnes, c'est des gens qui marchent avec la puissance et qui marchent avec le Seigneur, qui sont constamment accompagnés par le Seigneur. Voyez, et au verset 41, il dit, « Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. » Voyez un peu. Ensuite, le Seigneur va parler de la qualité. Voyez un peu, de la qualité. Il dit, « Celui qui reçoit un prophète en qualité. » Donc, la qualité, n'est-ce pas, renvoie à la position. Voyez un peu, il dit, « Recevoir un juste, n'est-ce pas, en qualité de. » Ça veut dire que le juste ne vient plus, n'est-ce pas, avec l'identité humaine. Mais il vient avec la position, hein, il ne vient plus avec une identité humaine, voyez un peu. Il vient avec la position qu'il a reçue, n'est-ce pas, de celui qui l'a racheté, Yeshua. Voyez un peu, ici, n'est-ce pas, la qualité, voyez un peu, va déterminer quelque part le type de service que nous allons offrir au Seigneur. Et le Seigneur veut que nous puissions offrir un service de qualité. Voyez un peu. Or, ce service, n'est-ce pas, dépendra de l'état de ton âme. Voyez, il y a des gens, n'est-ce pas, qui ont grandi dans des familles où ils ont constamment été méprisés, ils ont entendu des paroles assez dures. On leur a toujours dit que tu ne feras rien dans ta vie, n'est-ce pas, ne sera qu'un chaos. Vous voyez, c'est des personnes qui, excusez-moi, quelque part, voyez un peu, qui sont blessées, qui sont affectées, voyez un peu, dans leur âme. Voyez, donc, et quand le Seigneur, n'est-ce pas, les appelle, alors il va au préalable, n'est-ce pas, effectuer un travail. Pourquoi? Parce que ces personnes-là peuvent devenir, n'est-ce pas, des occasions de chute, des occasions, des points de blocage pour leur propre vie. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui manifestent un complexe d'infériorité. Parce qu'elles se méprisent elles-mêmes. Ou un peu, elles ont, n'est-ce pas, en eux, le mépris, elles se méprisent. Pour ces personnes-là, elles se disent qu'elles ne sont pas capables de pouvoir faire quoi que ce soit. Parce qu'en eux, n'est-ce pas, il n'y a que découragement, il n'y a que mépris, il n'y a que échec. Tout ce qu'ils essaient de faire, n'est-ce pas, tourne en rond, voyez un peu. Donc, c'est des personnes qui sont blessées au niveau de l'âme, voyez. Ça veut dire qu'on peut être en contact avec de telles personnes, voyez un peu. On ne peut pas les identifier, quelle est réellement, n'est-ce pas, leur souffrance. Voyez, parfois, nous sommes entourés de personnes qui constamment nous disent, « Ah, je ne sais pas pourquoi ma vie est comme ça, je ne sais pas pourquoi il y a tant de blocages, je ne sais pas pourquoi. » Et on peut se poser des questions, mais... Et pourtant, c'est des gens qui ont reçu le Seigneur. C'est des gens qui marchent avec le Seigneur, qui s'efforcent à marcher dans la sanctification. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi autant de blocages? Pourquoi autant de plaintes? En fait, les blocages-là, forcément, ne sont pas, voyez un peu, la conséquence d'un péché physique. Voyez un peu, ils ne sont pas dans la fornication, ils ne sont pas dans le vol, mais ils sont, n'est-ce pas, touchés par un péché qui est lié à leur âme, le mépris. Vous voyez, ça veut dire que quand le Seigneur, n'est-ce pas, les élève en qualité de prophète, ou le Seigneur décide, n'est-ce pas, de faire des grandes choses avec ces personnes-là, voyez un peu, mais comme en eux, il y a ce sentiment, n'est-ce pas, ce sentiment d'infériorité, alors ils auront du mal à percevoir, à comprendre ce que le Seigneur, n'est-ce pas, veut faire avec eux, ou bien ce que le Seigneur leur demande de faire. Vous voyez, ils vont se limiter. En fait, ils vont se paralyser, ils vont se bloquer, n'est-ce pas? C'est que tu as dit aux personnes-là, n'est-ce pas? Se bloquent eux-mêmes, voyez un peu. Ils vont se bloquer et ils seront incapables de pouvoir opérer des choses, n'est-ce pas? En rapport ou en communion avec le Seigneur. On va regarder la Bible dans Exode chapitre 3. Vous allez voir quelqu'un comme Moïse, n'est-ce pas? Moïse, bien sûr, qui a reçu un appel authentique du Seigneur dans Exode chapitre 3. Exode 3. Vous voyez, et en lui, il y avait un gros souci. Vous voyez, combien notre Seigneur est merveilleux. Vous savez, même quand il nous appelle, il sait, n'est-ce pas, les difficultés, il sait les choses qui nous dérangent. Voilà pourquoi il prend la peine aussi de faire un travail en amont. Il fait un travail de profondeur dans notre cœur pour que nous puissions répondre efficacement à son appel. Exode chapitre 3, à partir du premier verset. Alors, la Bible dit... je lis dans la version Louis II, et la version que vous avez en direct, n'est-ce pas, c'est la version BJC, la Bible de Yéhoshua, de Jésus-Christ de Nazareth. Alors la Bible dit, Moïse faisait perdre le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu, d'Élohim, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu
et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Yahweh l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Elohim de ton père, le Elohim d'Abraham, le Elohim d'Isaac, le Elohim de Jacob. Moïse, ou encore Moïse, se cacha le visage, car il craignait de regarder Elohim. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Écoutez bien, le verset 8 nous dit, je suis descendu. Donc ça veut dire, c'est Elohim, c'est Yahweh lui-même, n'est-ce pas, qui est descendu, n'est-ce pas, il était descendu pour délivrer son peuple, n'est-ce pas, de la servitude égyptienne. Il dit, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéliziens, les Héviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Yahweh, qui suis-je? Écoutez bien, la Bible nous dit que l'Éternel lui-même, il dit, j'ai vu, n'est-ce pas, la souffrance de mon peuple, et je suis descendu. Et Yahweh va lui dire, Moïse, Moïse, alors lève-toi, va délivrer mon peuple, car je serai avec toi. Mais regardons, frères et sœurs, là, la réponse, n'est-ce pas, de Moïse, de Moïse. Voyez un peu, la Bible dit, au verset 11, Moïse dit, n'est-ce pas, à Yahweh, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Yahweh lui dit, je serai avec toi, ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Elohim sur cette montagne. Moïse dit à Elohim, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande, quel est son nom? Que leur demanderai-je? Ouais, un peu. En fait, ça veut dire que toutes ces interrogations, n'est-ce pas, que Moïse posait à Elohim, c'était parce qu'en lui, il y avait quelque chose qui se passait. En fait, pour Moïse, il ne se sentait pas capable, n'est-ce pas, de pouvoir répondre à un tel appel. Parce qu'il y avait un sentiment qui le dérangeait. Vous voyez, ça veut dire qu'il y avait quelque chose, n'est-ce pas, un problème qui était lié à son âme. Vous voyez, il dit, même si, n'est-ce pas, je m'en vais, mais lorsque je parlerai à ton peuple, ils vont dire, mais le Dieu, le Elohim qui t'envoie là, s'appelle comment, c'est qui? Vous voyez, toutes ces interrogations, n'est-ce pas, c'était parce que dans son cœur, il y avait un problème. On va continuer la lecture au verset, il dit, mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? Verset 14, Elohim dit à Moïse, je suis celui qui est, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Elohim dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce que vous ont fait en Égypte. J'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez dans le pays des Cananéens, des Égyptiens, des Amoréens, des Phéliziens, des Héviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les enfants d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire trois journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller si ce n'est par une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne sortirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle
qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Vous voyez, en fait, l'Éternel, n'est-ce pas, va faire des promesses, n'est-ce pas? Il va montrer à Moïse, comment, n'est-ce pas, par sa main puissante, il allait agir, vous voyez un peu, par rapport à la délivrance qu'il voulait opérer aux Israélites, vous voyez un peu, à son peuple, n'est-ce pas, qui était en captivité en Égypte. Et, n'est-ce pas, Elohim, n'est-ce pas, va choisir, n'est-ce pas, c'était choisi Moïse, Et il va confier à Moïse, n'est-ce pas, cette responsabilité. Il dira à Moïse, va. Mais Moïse, n'est-ce pas, dans son cœur, il va commencer à douter. Si nous lisons, n'est-ce pas, un peu par la suite, n'est-ce pas, au chapitre 4, et Moïse va même dire à Yahweh, n'est-ce pas, je ne sais pas parler. Vous voyez, Moïse était touché par la peur. Parce qu'en fait, en lui, un peu, le mépris, le fait de ne pas avoir le courage en lui, n'est-ce pas, l'a poussé à refouler, à ne pas automatiquement répondre à l'appel du Seigneur. Parce que dans son cœur, il était touché par la peur. Il était paralysé. Il y avait un souci qui le dérangeait. Vous voyez un peu, son âme, n'est-ce pas, n'était pas prêt à pouvoir faire face, n'est-ce pas, à la mission ou à l'ordre que le Seigneur, n'est-ce pas, lui donnait. Et Moïse va commencer à douter. Vous voyez, il en a ainsi de plusieurs enfants d'Elohim. Il y a beaucoup, n'est-ce pas, qui ont reçu les choses du Seigneur assez claires. Le Seigneur leur a parlé clairement. Mais il y a un combat qui se passe au niveau de leur âme. Parce que les péchés de l'âme, n'est-ce pas, luttent, ne veulent pas, n'est-ce pas, nous permettre, nous libérer afin que nous puissions, n'est-ce pas, servir le Seigneur efficacement. Et l'un des péchés, n'est-ce pas, comme nous avons vu lundi, n'est-ce pas, le péché de la convoitise. Aujourd'hui, n'est-ce pas, nous allons parler du péché du mépris. Vous voyez un peu? Le fait, n'est-ce pas, que Moïse remette en cause, n'est-ce pas, la parole de Yahweh qu'il avait reçue, la vision qu'il avait reçue du Seigneur, n'est-ce pas, ça montrait qu'en lui-même, il avait un problème. Il ne se faisait pas confiance. Vous voyez un peu? Il s'est sous-estimé. Donc, en quelque sorte, il s'est méprisé. Vous un peu? Parce qu'en lui, il y avait un complexe d'infériorité. Seigneur, qui suis-je? Vous voyez un peu? Voilà, quel est le pouvoir que j'ai pour moi, n'est-ce pas, aller parler à un grand comme Pharaon? Vous voyez un peu? Encore que Moïse lui-même, il avait vécu, n'est-ce pas? Le Seigneur avait permis à ce que Moïse, n'est-ce pas, grandisse dans, la, n'est-ce pas, dans le palais de Pharaon. Donc, ça veut dire Moïse connaissait, hein, la personne, n'est-ce pas, vers qui le Seigneur l'envoyait. Moïse connaissait qui était Pharaon. Et Moïse, n'est-ce pas, va avoir peur d'aller vers Pharaon parce que pour lui, il savait qu'il n'avait pas les capacités, il n'avait rien, n'est-ce pas, qui lui permettait de pouvoir faire face à Pharaon. Voyez un peu, il va se mépriser. Voyez un peu, il va se négliger. En lui, il y avait un souci, le péché de l'âme. Voyez un peu, quand notre âme, n'est-ce pas, est affectée par les péchés, il y a des, c'est des choses qu'on ne peut pas évidemment voir. Mais par nos actions, n'est-ce pas, pour beaucoup, n'est-ce pas, peuvent se rendre compte que nous avons un souci. Les gens qui sont touchés, n'est-ce pas, par le mépris, c'est des gens qui n'arrivent pas à prendre des initiatives, qui n'arrivent pas, n'est-ce pas, à se porter garant, n'est-ce pas, par rapport à certaines choses que le Seigneur leur demande de faire. Pourquoi? Parce que pour elles, pour ces personnes-là, n'est-ce pas, elles ne se sentent pas à la hauteur. Et quand tu agis ainsi, frère et sœur, n'est-ce pas, toi qui m'écoutes, certainement le Seigneur parle à ton cœur, tu te limites, tu te bloques. Parce que, en fait, ton obéissance, n'est-ce pas, la qualité du service que tu vas offrir, n'est-ce pas, à ton Créateur, n'est-ce pas, sera liée aussi à ton obéissance. Or, Yahweh dit, celui qui vous reçoit, me reçoit, donc lui reçoit. Donc ça veut dire que quand Yahweh nous envoie, lui-même il est avec nous. Ça veut dire qu'il est là, n'est-ce pas, pour faire face à l'adversité, pour nous donner les éléments, n'est-ce pas, les arguments, la force nécessaire, pour pouvoir répondre à son appel, pour pouvoir exercer, n'est-ce pas, ce qu'il nous demande de faire. Il ne nous abandonne pas. Mais le fait de te mépriser, n'est-ce pas, peut te pousser à ignorer que le Seigneur est avec toi. Ou un peu? Et que la présence du Seigneur à nous, n'est-ce pas, nous amène de gloire en gloire. Alléluia. Alors, donc voilà pourquoi, frères et sœurs, n'est-ce pas, nous devons faire attention. Nous devons constamment, n'est-ce pas, examiner quel est l'état de notre âme. Well, lundi, on disait que l'âme est le siège de nos émotions. Lorsque nos émotions, n'est-ce pas, nous gouvernent, nous contrôlent, frères, alors nous pouvons facilement passer à côté de ce que le Seigneur veut faire avec nous. Parce que le plus souvent, n'est-ce pas, nous sortons d'un monde où nous avons été intérieurement abîmés. Déjà, rien que dans le socle familial, n'est-ce pas, il y en a qui sont détruits par rapport à ce qu'ils entendent, par rapport à ce qu'ils ont vécu, par rapport à ce qu'ils voient. Vous voyez un peu, ils sont détruits. Vous voyez? Donc, quand le Seigneur nous appelle comme ça là, en fait, si nous nous focalisons encore à nous identifier à notre vie, n'est-ce pas, passée, alors, frères et sœurs, on aura du mal à pouvoir cerner ce que le Seigneur veut faire avec nous. Nous allons nous négliger. Nous allons, n'est-ce pas, nous décourager. Nous allons nous mépriser. Parce que, évidemment, dans le monde, nous avons constaté que nous n'étions rien. Vous voyez un peu? Mais, en Yeshua aujourd'hui, en fait, Yeshua a changé ta position. Yeshua, n'est-ce pas, a changé ton identité.
Yeshua a changé, n'est-ce pas, l'homme que tu étais hier, qui était complètement cassé, abattu. Yeshua a changé, n'est-ce pas, il a changé ta vie. Ça veut dire que tu n'es plus la même personne. Et non seulement il a changé, et lui-même, n'est-ce pas, il nous dit qu'il sera avec nous, il nous accompagnera. Donc littéralement, la force, n'est-ce pas, que nous allons manifester, que nous allons exercer, ne viendra pas de nous. Elle viendra, n'est-ce pas, de lui. Alors voilà pourquoi nous avons besoin, n'est-ce pas, d'être des hommes et des femmes de foi, de marcher par la foi. Or, le mépris, n'est-ce pas, de soi, ne peut pas te pousser à marcher par la foi. Tu vas tout le temps, n'est-ce pas, regarder à tes manquements et regarder, n'est-ce pas, à ce que tu étais hier. Voyez un peu, à ta vie passée. Et toutes ces choses-là, n'est-ce pas, lorsque tu rentres dans ce nuage-là, ça va complètement te bloquer et tu ne pourras pas, frère, expérimenter des grandes choses avec le Seigneur. Vous voyez, quelqu'un comme Moïse, n'est-ce pas, a connu ce problème. Et lorsque nous regardons encore Juges au chapitre 6, Juges au chapitre 6, voilà, la Bible nous parle de Gédéon dans Juges chapitre 6, ouais, un peu Gédéon aussi, n'est-ce pas, qui a reçu un appel authentique du Seigneur, mais il avait aussi ce souci, le mépris de soi. Ouais, un peu, ça veut dire il a, son âme était touchée. Pourquoi? Regardons un peu ce qui se dit dans la parole. Juges chapitre 6, à partir du premier verset, la Bible dit, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Donc pendant 7 ans, à cause de leur péché, n'est-ce pas, les enfants d'Israël, les Israélites, n'est-ce pas, seront livrés entre les mains des Madianites. Ouais, un peu, ils étaient sous la domination des Madians. Et au verset 11, regardons ce qui va se passer. Des 1, avant d'aller au verset 11, excusez-moi, frères et sœurs, alors on va continuer au verset 2, un peu. La Bible dit, la main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusqu'à vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Voyez un peu, la Bible dit que les Madianites les dominaient, ils étaient sous une servitude, sous une domination terrible. C'est que tout ce qu'ils produisaient, n'est-ce pas, tout ce qu'ils semaient, n'est-ce pas, les Madianites venaient tout prendre. Voyez un peu, c'était pendant 7 ans et c'était difficile. Vous savez, les situations, n'est-ce pas, que nous avons vécues dans notre vie peut continuer, n'est-ce pas, à avoir une influence dans notre vie. Même lorsque le Seigneur nous appelle, si nous ne nous examinons pas, si nous ne laissons pas, n'est-ce pas, le Seigneur guérir, n'est-ce pas, les blessures intérieures de notre âme, de notre cœur. Frère, nous allons passer à côté de ce que le Seigneur veut faire. La Bible dit, pendant 7 ans, n'est-ce pas, Israël était sous la domination des peuples impies. Ça veut dire que tout ce qu'il produisait comme semence, il venait tout ravager. Et Gédéon, n'est-ce pas, a grandi, il est né et il a vécu, il a vu tout ce que son peuple, n'est-ce pas, vivait sous la domination madianite. Frère, c'est grave ce qui se passe. Vous voyez un peu, son âme était blessée, son âme était troublée, son âme était tourmentée. Parce que la Bible dit que les Israélites, pour avoir un peu, n'est-ce pas, pour souffler un peu, il fallait qu'ils se retirent dans les rochers pour avoir un peu de repos. Parce que la domination, frère, la tyrannie était tellement forte que leurs oppresseurs, n'est-ce pas, leur mettaient une telle pression, n'est-ce pas, voyez un peu, pour le maintenir dans l'esclavage, dans l'avilissement. Et Gédéon, ainsi que tout le peuple israélite, n'est-ce pas, à leur époque, voyez un peu, ils étaient tourmentés. Et au verset 11, la Bible nous dit, nous allons au verset 11, n'est-ce pas, de Juges 6. La Bible dit, puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon son fils, battait du froment au pressoir, pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Voyez un peu, Yahweh lui dit, l'Éternel est avec toi. L'ange de l'Éternel, c'est une préfiguration de Yeshua. Voyez un peu, la Bible dit que l'ange de l'Éternel va se présenter à Gédéon et il va lui dire, l'Éternel, Yahweh, ton Elohim, ton Créateur est avec toi, vaillant héros. Donc en fait, c'était des paroles d'encouragement. Pourquoi? Parce que le Seigneur savait que Gédéon, n'est-ce pas, avait un souci au niveau de son âme.
par rapport à tout ce qu'il avait enduré. Et par la suite, voyez un peu. Alors, la Bible dit, verset 12, l'ange éternel lui apparut et lui dit, l'éternel est avec toi, vaillant héros. Verset 13, Jean lui dit, ah, mon Seigneur, si l'éternel est avec nous, pourquoi et ces prodiges, quand il dit, il pas monté hors d'Égypte, maintenant l'éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Vous voyez un peu? Ouais, la Bible nous dit qu'il va se mettre à douter. Il va dire, mais Seigneur, mais si tu étais là, vois un peu, est-ce que ta présence allait toujours, n'est-ce pas, nous permettre à être assujettis par les Madianites? Il dit non. Vois un peu, regardez, ici, Gédéon avait un souci. Le Seigneur lui appelle vaillant héros, mais lui, il se méprise. Il dit non. Vois un peu, c'est bien qu'il est vrai que ce n'est pas écrit qu'il a dit non, mais regardez, par ses faits et gestes, par son refus, n'est-ce pas, de pouvoir admettre, accepter automatiquement, voyez un peu, la parole que l'ange éternel, n'est-ce pas, lui donner, voyez un peu, montrer qu'en lui, il y avait un souci, un combat, n'est-ce pas, qui s'opérait, voyez un peu, il s'est méprisé, parce que dans son âme, n'est-ce pas, il était touché, il était affecté. Frères et sœurs, voyez, le mépris, n'est-ce pas, voyez un peu, était un péché de l'âme. C'est des péchés qui sont cachés, voyez un peu, mais qui nous combattent au quotidien, qui nous bloquent, qui nous mettent dans des prisons, qui nous poussent, n'est-ce pas, à faire du surplace avec le Seigneur. Vous voyez? Ça veut dire que quelqu'un qui se méprise, c'est quelqu'un qui n'a pas foi en lui, qui n'a pas confiance en lui et qui n'a pas confiance, n'est-ce pas, à ce que le Seigneur peut faire dans sa vie. Vous voyez un peu? Non pas avoir confiance en toi comme si tu étais capable de faire quoi que ce soit. Non! Ça veut dire que mettre foi en ce que le Seigneur peut faire dans ta vie. Vous voyez un peu? Vous voyez, de telles personnes, n'est-ce pas, c'est limite. Quoi que le Seigneur, n'est-ce pas, leur parle au travers des songes, au travers des prédications, comme ce soir, au travers des visions, vous voyez un peu, c'est des gens qui sont tellement limités. Pourquoi? Parce que dans leur âme, frère, il y a un combat. Parce que leur âme, n'est-ce pas, est affectée par une catégorie de péchés qu'on ne voit pas forcément physiquement, visiblement. Non, frère, c'est des péchés qui sont cachés. Vous voyez, c'est des péchés qui sont là. Vous voyez, quelqu'un qui se méprise, c'est quelqu'un, lorsqu'il sera face à des situations, un peu, même quand tout le monde pense qu'il peut faire quelque chose, lui-même il va se décourager. Lui-même il va se dire non, bon, vous savez, non, pour moi, je ne peux pas. Je crois que c'est un X qui a la possibilité, qui a la capacité de pouvoir le faire. Ça veut dire que pour lui, il ne peut pas s'imaginer, n'est-ce pas, qu'au travers de lui, n'est-ce pas, Dieu peut opérer, Elohim peut opérer, n'est-ce pas, de telles choses. Il va tellement, n'est-ce pas, se mépriser, il va tellement se négliger, voyez un peu, que même quand le Seigneur aura envie de faire quelque chose d'assez fort dans sa vie, voyez un peu, il va empêcher à ce que l'action du Seigneur puisse se manifester. Vous voyez, frère, vous voyez, les péchés de l'âme, vous voyez, c'est les péchés qui sont enfuis en nous. Et ce sont des péchés qui nous bloquent. Et à la longue, lorsque nous ne faisons pas attention, n'est-ce pas, à force de trop te mépriser, frère, tu peux permettre à ce qu'un esprit, voyez un peu, va finir par, peut venir te posséder. Voilà, il va venir te posséder. Et l'esprit, n'est-ce pas, là, en retour, va faire naître en toi, n'est-ce pas, des sentiments de découragement, des sentiments, n'est-ce pas, de paresse, des sentiments, voyez, d'avoir toujours, n'est-ce pas, en toi, cette pensée qui te dit, tu n'es pas capable de pouvoir faire quoi que ce soit. Voyez, nous devons faire attention. Voyez, quand nous sommes, n'est-ce pas, nous nous rendons compte que nous sommes touchés, n'est-ce pas, par de tels péchés subtils, n'est-ce pas, les péchés de l'âme, frère, nous devons crier au Seigneur et prendre les résolutions de dominer frère. Parce qu'il n'y a que des violents, n'est-ce pas, qui arrivent de se défaire, bien sûr, par la grâce de l'Élohim, hein, des péchés de l'âme. Parce que c'est des péchés, frère, qui nous avilissent, c'est des péchés qui nous contrôlent, c'est des péchés qui nous paralysent, c'est des péchés qui nous emprisonnent, frère. Ça nous emprisonne. Le Seigneur peut te donner des révélations par des songes, mais à cause de ton mépris, ouais, à cause du complexe d'infériorité que tu manifestes, frère, tu vas vivre une marche chrétienne, n'est-ce pas, qui va tourner, tu vas tourner sur place, tourner, et puis après, au bout d'un moment, tu seras aigri. Tu seras aigri. Vous voyez, tu seras aigri dans ton cœur. Et ensuite, n'est-ce pas, c'est des péchés comme la jalousie, ainsi de suite, qui peuvent naître. Alors que le Seigneur, n'est-ce pas, a prévu opérer des grandes choses. Il y a un bel avenir qui est devant toi. Le Seigneur veut t'amener à vivre des choses assez merveilleuses. Mais tu te négliges, tu te méprises. Tu ne réalises même pas, n'est-ce pas, la position que Yahushua t'a donnée dans le royaume. Non, tu te méprises.
voyez, Gédéon, n'est-ce pas, et Moïse, c'est des personnes, n'est-ce pas, qui ont connu des mêmes limites, des mêmes problèmes que toi et moi. Mais ils ne se sont pas laissés asservir, ils ne se sont pas laissés, n'est-ce pas, emprisonnés, n'est-ce pas, par ce type de péché. Vous voyez un peu? Ils ont fini, n'est-ce pas, par renoncer à eux-mêmes, par renoncer à leur vie passée et faire confiance à Elohim. Et c'est des personnes aujourd'hui, n'est-ce pas, qui ont connu, n'est-ce pas, des grandes victoires avec le Seigneur. Moïse a délivré, n'est-ce pas, Israël de la captivité égyptienne. Gédéon, n'est-ce pas, a libéré, n'est-ce pas, son peuple, voyez un peu, de la domination des Madianites. Vous voyez, ils ont fini, n'est-ce pas, par être des vrais héros, des héros de la foi. Et ils ont vu, n'est-ce pas, la main du Seigneur les accompagner. Frères et sœurs, alors la question, n'est-ce pas, qu'on peut tous se poser, qu'est-ce qui nous bloque? Qu'est-ce qui t'empêche, n'est-ce pas, de pouvoir expérimenter des grandes choses avec ton Seigneur? Ne réalises-tu pas les songes que tu fais? Ne vois-tu pas que le Seigneur te parle constamment, n'est-ce pas, par des songes, par des visions, au travers des gens? Tu as un appel, mais pourquoi restes-tu aussi bloqué? Pourquoi tu es toujours aussi bloqué? Mais c'est parce qu'il y a un souci. Il y a un souci. Certainement, tu n'es plus dans la fornication. Tu peux être marié aujourd'hui. Certainement, tu n'es plus dans l'adultère ou dans la débauche. Vous voyez un peu? Vous voyez? C'est des péchés qui sont visibles. Ces péchés-là, facilement, on peut les distinguer, vous voyez un peu, et commencer à combattre afin d'en sortir. Mais les péchés liés à l'âme, vous voyez un peu, ce sont les péchés qui sont cachés, vous voyez un peu, mais qui se manifestent dans notre homme intérieur. Vous voyez, frère, c'est des péchés qui sont très subtils, mais qui ont une puissance de destruction assez terrible. C'est des péchés qui peuvent détruire toute une vie. C'est des péchés qui peuvent retarder toute une vie. Voyez un peu, c'est des personnes qui vont manifester des complexes assez terribles, qui vont, voyez un peu, regarder les gens, n'est-ce pas, qui vont admirer les gens par motif d'intérêt. Voyez un peu, comme nous le dit dans Jude, on va lire Jude, il y a qu'un seul chapitre, le verset 16. C'est la dernière partie du verset 16 qui va nous intéresser, Jude. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta parole. Je crois que ce soir, le Seigneur est en train de parler à nos cœurs. Je crois que le Seigneur est en train de réveiller les vaillants héros, des personnes que le Seigneur a donné des mandats pour délivrer son peuple qui est asservi, son peuple qui est en captivité, son peuple qui est tourmenté par les sirènes des eaux, son peuple qui est tourmenté par les pratiques de vaudou. Voyez un peu, le Seigneur te parle. Le Seigneur parle à ton cœur. C'est le temps de ne plus regarder à tes manquements. C'est le temps de ne plus faire des retours. Parfois, il y en a qui font des retours, n'est-ce pas, dans leur passé. Ils vont encore chercher un peu de leur passé et ils veulent amener de leur passé avec marcher avec Yeshua. Frère, ça ne pourra pas marcher ainsi. Yeshua veut faire de toi une nouvelle créature. Et en tant qu'une nouvelle créature, frère, il n'y a plus de mélange avec ta vie passée. Ce qui est passé est passé. Ta vie passée, c'est le passé. Yeshua a prévu quelque chose de merveilleux pour toi. Il faut que tu le réalises. Tu dois le réaliser. Un peu? Alors, dans Jude, chapitre 1, il y a un seul chapitre, bien sûr. Nous allons lire le verset 16. La Bible dit, Jude chapitre 1, verset 16, il dit, ce sont des gens qui murmurent, vous voyez un peu? Vous voyez, il dit, c'est des gens qui murmurent, qui peuvent passer de longueur de journée à se poser des questions. Pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi ma vie? Ta vie n'a pas un souci, frère. Ta vie n'a pas un souci. Tu as été racheté par le sang précieux de Yeshua qui a coulé à la croix. Le problème, c'est quoi? C'est que ça veut dire, il y a un péché qui est lié à ton âme. Qui te lie? Le mépris. Tu te méprises. Tu as besoin de te dégager de là, de réaliser que Yeshua a fait de toi une nouvelle créature. Alors il dit, ce sont les gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort. Vous voyez un peu, ils se plaignent toujours de leur sort. Vous voyez, quelqu'un qui se méprise, c'est quelqu'un, n'est-ce pas, qui se plaint toujours de son sort. Il est toujours insatisfait. Il est toujours mécontent. Il est toujours déçu. Il est toujours perdu, toujours perdu. Parce que pour lui, rien ne peut marcher. En quelque sorte, ils ne dégagent rien de bon. Vous voyez? Qui marchent selon leur convoitise, vous voyez un peu? Ils marchent selon leur convoitise. Et qui ont à la bouche des paroles hautaines et qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Vous voyez un peu? Vous voyez, les personnes qui les méprisent, c'est les personnes qui mettront toujours d'autres personnes devant. Vous voyez, devant elles. Non, il n'y a que toi, c'est toi qui peux faire cela. Moi, je ne peux pas. Vous voyez un peu? Non, je crois que moi, je ne peux pas. Mais c'est toi seul qui peux faire. Vous voyez un peu? Parce que, en fait, même quand c'est toi que le Seigneur, n'est-ce pas, a placé là, même si quand c'est toi que le Seigneur a choisi, certainement pour faire quelque chose, vous voyez un peu? Mais comme tu te méprises,
comme dans ton âme, il y a cette blessure, il y a ce péché, n'est-ce pas, qui ronge, qui combat en toi, en fait, ça va t'amener toi-même à te décourager et à te disqualifier. Tu vas te disqualifier seul. Ouais, seul. Ouais, tu vas admirer des personnes par motif d'intérêt. Vois un peu? Tu vas élever les gens, n'est-ce pas, au-dessus de toi. Mais quoi que parfois c'est nécessaire. Mais quand ça fait attrait à l'humilité, oui, c'est encourageant. Mais lorsque, n'est-ce pas, c'est lié à l'état de notre âme qui est malade, qui est blessée, frère, c'est un péché. C'est un péché. Parce qu'il y a des choses, n'est-ce pas, que le Seigneur veut nous pousser, veut nous amener à faire. Et lorsque nous laissons d'autres personnes, n'est-ce pas, à notre place, nous péchons contre Yahweh. En fait, c'est comme si nous disons indirectement au Seigneur, hein, le fait de t'avoir choisi, n'est-ce pas, tu t'es trompé. Hein? Il fallait plutôt prendre quelqu'un d'autre. Ouais, c'est les gens, n'est-ce pas, qui se méprisent. Ouais, le mépris de soi. Ouais, c'est des personnes qui sont touchées dans leur âme. Alors ces personnes-là, elles ont besoin d'être libérées. Elles ont besoin, n'est-ce pas, de la guérison profonde de leur homme intérieur, de leur cœur. Voyez? Et cette guérison-là, n'est-ce pas, ne peut s'obtenir que rien que par le moyen de la parole. Et pas la parole édulcorée. Pas la parole, n'est-ce pas, qui nous attache à la terre. Pas la parole qui nous lie, n'est-ce pas, au bien éphémère. La parole de la vérité. La parole puissante, n'est-ce pas, qui met Yeshua, Jésus, n'est-ce pas, notre chéri, au centre. Voyez un peu, c'est cette parole-là, n'est-ce pas, qui a la possibilité de pouvoir nous libérer, frère. De pouvoir nous réveiller, frère, du sommeil. Parce que c'est des somnifères spirituels que le diable injecte dans nos cœurs afin de nous paralyser. Afin, n'est-ce pas, de t'amener à croire que tu n'es rien. Mais évidemment, tu n'es rien. Voilà, tu n'es rien. Voyez un peu, la Bible dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Nous tous, nous avons été asservis par le péché, esclaves du péché. Mes frères, mais en Yeshua, par la grâce de la croix, par l'œuvre de la croix de Yeshua, frère, nous sommes devenus quelque chose en Yeshua, frère. Donc cette position, n'est-ce pas, que tu as de Yeshua, ne la néglige pas. Tu dois marcher en nouveauté de vie, en fixant ton regard sur ton Seigneur, celui qui a dit à la croix, tout est accompli. Yeshua, n'est-ce pas, prend nos faiblesses, Yeshua prend nos infirmités, Yeshua prend nos incapacités et il nous amène de gloire en gloire, frère. Vous voyez? C'est le temps, frère, où nous devons sortir du sommeil. Il y a beaucoup d'enfants de Elohim qui ont perdu du temps, comme ça avec le Seigneur. Ils ont perdu du temps à cause, n'est-ce pas, du mépris qu'ils ont d'eux-mêmes, à cause, n'est-ce pas, de leur âme qui est abîmée. Ils ont perdu du temps. Le Seigneur a voulu faire des choses, le Seigneur veut faire des choses avec eux, mais ils résonnent, ils tâtonnent, ils tournent en rond, ils tournent en rond, ils tournent en rond, ils se plaignent toujours, ils murmurent, ils ne sont pas contents de leur vie, ainsi de suite. Ainsi, ils se posent beaucoup de questions, frère. Frère, mais toutes ces choses-là, frère, nous te limitent, mais tu perds du temps. Alors qu'au travers de toi, il y a des âmes que Elohim veut sauver. Il y a des âmes, n'est-ce pas, qui sont, leur salut est lié à l'appel, à l'onction que le Seigneur a déposée dans ta vie. Frère, tu dois le comprendre. Il y a des gens, n'est-ce pas, par qui, tant que tu ne t'es pas levé, ces personnes-là ne pourront pas venir à Yeshua. Parce que Yeshua t'a choisi afin que par toi, ces âmes-là soient sauvées. Mais lorsque tu perds du temps en te limitant, n'est-ce pas, sur ta vie passée, sur ta vie actuelle, frère, mais tu passes à côté. Yeshua t'a établi, Yeshua t'a positionné en tant que fils du royaume, en tant que fille du royaume, frère, et nous devons marcher avec cette identité. C'est avec cette identité, frère, lorsque nous réalisons qui nous sommes, lorsque nous mettons, frère, cette identité devant nous, et lorsque nous mettons notre foi en ce que Yeshua, n'est-ce pas, nous a dit au moyen de sa parole, frère, nous sommes appelés à aller de gloire en gloire. Nous sommes appelés à aller de victoire en victoire, de succès en succès. Parce que notre Seigneur ne perd pas. Notre Seigneur n'échouera jamais. Et frère, c'est dans ces enseignements, n'est-ce pas, sont nécessaires aujourd'hui pour beaucoup d'enfants d'Elohim, pour beaucoup d'enfants du Seigneur. Parce qu'il y en a qui ont perdu beaucoup de choses, qui ont retardé, n'est-ce pas, le plan de Dieu qui était lié à leur vie. Ils ont retardé beaucoup de choses. À cause d'autres qui sont touchés par la convoitise, un peu, la convoitise, on a déballé là-dessus, n'est-ce pas, lundi, on a parlé, un peu, les péchés comme la convoitise, c'est les péchés, n'est-ce pas, qui te poussent à ne pas regarder à ce que le Seigneur t'a donné, mais plutôt à penser que ce qui est dehors, ce que les autres ont, n'est-ce pas, c'est ce qui est de bonne qualité, c'est ce qui est meilleur, c'est ce qu'il te faut, un peu, la convoitise, un peu, désirer l'interdit.
il y a des choses forcément qui ne sont pas liées, que le Seigneur ne peut pas t'accorder, parce qu'il n'a pas prévu ça, il n'a pas prévu ces choses-là, n'est-ce pas, dans son plan parfait concernant ta vie. Un peu, mais il y a des choses, n'est-ce pas, que d'autres personnes peuvent avoir. Tant mieux. Un peu, mais c'est pas parce que les autres ont ces choses-là que forcément ces choses-là sont nécessaires aussi pour toi. Mais non. Mais quand nous sommes affectés par le péché de la convoitise, on peut commencer à désirer ces choses et ensuite nous retrouver, n'est-ce pas, déconnectés, nous retrouver loin, n'est-ce pas, de la face du Seigneur. Et c'est comme ça que nous passons à côté, n'est-ce pas, du merveilleux plan que le Seigneur avait élaboré ou tissé, n'est-ce pas, dans notre vie. Vous voyez que Moïse, n'est-ce pas, et Gédéon avaient un souci. Ils avaient un complexe d'infériorité. Ils se méprisaient. Ils se négligeaient. Pour eux, ils étaient incapables d'accomplir une telle mission. Ils ne pouvaient pas répondre à un tel appel. L'appel était tellement élevé pour eux que répondre à cet appel, là, frère, c'était certainement réservé à une catégorie de personnes. Mais non, non, non. Yeshua sait pourquoi, n'est-ce pas, il parle dans ton cœur. Yeshua sait pourquoi il permet à ce que tu écoutes cette émission. Parce que c'est toi qui l'as choisi pour ta famille. Tu pleures certainement pour ta famille. Tu pleures pour tes parents. Mais Yeshua, n'est-ce pas, ton créateur veut se servir de toi pour apporter la paix dans ta famille. Mais regarde comment tu ne fais pas confiance à ce que le Seigneur te dit. Tu ne mets pas ta confiance en Yeshua. Tu te limites toujours, n'est-ce pas, par rapport à ta situation familiale, par rapport à ton rang social, par rapport à ton statut, par rapport à ta vie passée. Mais toutes ces choses-là, mais ces pensées-là vont t'empoisonner, tes pensées-là vont te détruire. Tu as besoin de sortir de là. Tu as besoin de t'agenouiller et demander pardon au Seigneur afin que le Seigneur, n'est-ce pas, te délivre, te guérisse, n'est-ce pas, du péché de l'âme, du péché du mépris. La Bible nous dit, n'est-ce pas, dans Genèse au chapitre, on va prendre le livre de Genèse, Genèse chapitre 4, voyez, oui. Seigneur, merci Père pour ta parole, car ta parole nous fait du bien. Genèse chapitre 4, à partir du verset 6, regardons ce qui se passe. Oui, ça c'est l'histoire de Abel et Caïn. Oui, deux personnes, n'est-ce pas, faire à Dieu, n'est-ce pas, des offrandes. Vous voyez un peu? Et la Bible dit que par Elohim et Caïn sera rejeté. Et ça va naître, ça va faire quelque chose, n'est-ce pas, dans le cœur de Caïn. Ouais. Et au verset 6, la Bible dit l'éternel de Caïn. Donc en fait, l'irritation là était due à. C'était le refus de son offrande. Elohim, Yahweh, avait refusé son offrande. Ouais, il avait refusé son offrande. Et par la suite, ouais, ça a suscité en lui quoi? L'irritation. Il avait été irrité. Et ensuite, Elohim lui dit, et pourquoi ton visage est-il abattu? Vois un peu? Il était abattu. Ouais, donc, en fait, quelqu'un parle le plus souvent, n'est-ce pas? L'état de notre visage abattu, n'est-ce pas, n'est rien d'autre que la conséquence de l'état de notre cœur. Et ici, dans son âme, dans son cœur, n'est-ce pas, il était irrité, il était frustré. Et ensuite, n'est-ce pas, cette frustration-là s'est reflétée sur son visage. Il y a des gens, lorsque tu les rencontres, ils ont toujours l'air abattus, ils sont toujours découragés. Découragés, frère, c'est des personnes qui sont malades au niveau de leur âme. Elles ont besoin d'être guéries. Et au verset, c'est la Bible dit, certainement, si tu agis mal, donc ça veut dire, en fait, si tu agis bien, autant pour moi, un peu, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Donc, Caïn avait la possibilité de se rattraper. Mais il a laissé, n'est-ce pas, son âme qui était abattue prendre le dessus sur lui. Vois un peu, tu relèves ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Vois un peu? Ça veut dire, au lieu que c'est lui qui domine sur les désirs, n'est-ce pas, de son âme, qui était quoi? L'irritation. Vois un peu? Qui était le mépris. Vois un peu, non? Voyez? Alors, il, au lieu de les dominer, mais il va se laisser dominer par les désirs de son âme. Vois un peu? Qui était malade. Et ensuite, ça va l'amener à commettre quoi? Le meurtre. Frère. Voyez, les péchés de l'âme, ouais, ce sont des péchés qui sont subtils, mais des péchés dangereux qui détruisent
les vies, qui détruisent, qui paralysent, qui nous empêchent d'émerger, de connaître, n'est-ce pas, de connaître, d'expérimenter, n'est-ce pas, des miracles, de connaître, n'est-ce pas, des victoires avec le Seigneur. Vous voyez, c'est les péchés qui nous lient, qui nous attachent. Ouais, quelqu'un qui est lié, n'est-ce pas, par les péchés de l'âme, ouais, un peu, cette personne n'est pas libre, elle est en prison. Mais elle peut se balader, elle peut marcher, elle peut chanter, ouais, elle peut même prêcher, ouais, un peu, mais c'est des personnes qui ne pourront pas faire long feu, qui ne pourront pas aller loin. Pourquoi? Parce qu'en eux, il y a un problème, ils sont liés. Leur âme intérieure est liée, leur homme intérieur est lié, leur âme est liée, ils sont liés. Ouais, elles sont liées, elles ont besoin d'être délivrées. Frère, et ce soir, n'est-ce pas, le Seigneur nous interpelle encore à nous examiner. Alors regarde à ta vie. Aux yeux des hommes, on peut donner une image. Aux yeux des hommes, on peut donner des impressions. Oui, au bout d'un moment, ça peut marcher. Mais très vite, les personnes vont se rendre compte que l'impression qu'on leur a présentée, n'est-ce pas, n'était qu'une illusion. Pourquoi? Parce que la vérité finit toujours par triompher. Certainement, ta vie est liée à tout ce que le Seigneur, n'est-ce pas, a énuméré ce soir. Mais ne reste pas là. Le Seigneur veut faire des grandes choses avec toi. Le Seigneur veut guérir ton âme. Le Seigneur veut te libérer du mépris. Le Seigneur veut te libérer du complexe d'infériorité. Le Seigneur a fait de toi un vaillant héros. Le Seigneur, par toi, veut et va accomplir des grandes choses. Mais s'il a permis ce soir que tu puisses écouter cet enseignement, c'est parce qu'en fait, il est en train de guérir ton âme. Il veut faire un travail de profondeur dans ton cœur. Parce que par toi, le Seigneur va accomplir des grandes victoires. Par toi, le Seigneur, n'est-ce pas, va bousculer le monde des ténèbres. Alors, frères et sœurs, ne te décourage plus. Alors, tourne-toi vers le Seigneur. Repends-toi de ton péché. Si le Seigneur a parlé à ton cœur, si tu t'es méprisé, frère, le mépris sur le péché, si tu t'es longtemps méprisé, demande pardon au Seigneur. Dis, Seigneur, à compter de maintenant, je ne vais plus regarder à ce que je suis, mais plutôt à ce que toi tu as fait de moi au travers de l'œuvre de la croix. Et prends la résolution de marcher maintenant, n'est-ce pas, par la foi, au moyen de la parole. Pas ce que les gens vont te dire, pas ce que un prophète va te dire, mais ce que va te dire la parole, ce que te dira la parole. Ouais, puis tu dois mettre foi en la parole, tu dois mettre foi à ton Seigneur. Ouais, un peu, et dire, Seigneur, je vais marcher maintenant avec toi. À compter de maintenant, lorsque le doute, lorsque le mépris, lorsque ces choses chercheront à surgir dans mon cœur, papa, je vais les chasser, je vais dominer sur cette catégorie de péché au nom de Yeshua. Et tu verras comment le Seigneur t'amènera de gloire en gloire. Alors, bien-aimés, que le Seigneur nous encourage, que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur nous donne la force de ne pas nous laisser avilir, de ne pas nous laisser, n'est-ce pas, dominer par les désirs de notre âme, par les désirs mauvais de notre âme. Mais plutôt, n'est-ce pas, de les dominer, de triompher de ces mauvais désirs et de marcher, n'est-ce pas, avec les fruits de l'esprit, avec la parole du Seigneur. Marcher, n'est-ce pas, par la foi, marcher avec les promesses que le Seigneur a libérées dans notre vie. Parce que le Seigneur, n'est-ce pas, par nous, va accomplir les espoirs. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que Yahweh, le Elohim, tout puissant, n'est-ce pas, vous bénisse et nous garde tous. Au nom de Yeshua, amen. Et à très bientôt, paix et grâce. Shalom.